Elle mène 7-6 dans le premier set. C'est que le début des émotions puisque Félix Lebrun enchaînera dès 18h40. Et Xiaoxin Yang, la monégasque, en revers, elle a un picot long. Ouais, bravo. Ouais, et 1-0, 1-7-0. Terrible hein, cette défaite. Ouais, c'est dur. De la française. C'est dur, mais c'est plein d'espoir. Superbe, superbe, Jeannan. T'en fais pas, on va monter dans le train avec toi, Jeannan. On te suit. Xiaoxin au service, la monégasque. Félix joue vers 18h30 à peu près. Tout le monde joue bien, tout le monde est très très fort. C'est un niveau très resserré, c'est le gratin du circuit mondial. Xiaoxin qui s'est bien défendu. Ouais, celle-là est très dure avec le picot. Ouais. Bien joué, très bien attaqué, très bien enchaîné. Askron, le Smash est l'équivalent d'un tournoi du Grand Chelem. C'est l'un des plus gros tournois de l'année. On en est au premier tour, mais tu as vraiment un niveau de jeu exceptionnel, forcément. Vu la nature de la compétition. Ouais, bien joué. Ouais, elle rattaque le service. Ouais. C'est fait, un partout. Un partout. Un set partout. Troisième set entre Jeannan Yuan et Xiaoxin Yang. Allez, commencez fort ce set. Commencer à. Ouais. Il est bon ce début de set pour Yang. Donc pour tous les non connaisseurs, qu'est-ce que ça fait les picots sur une raquette? Ça, c'est moins sensible aux effets et ça met moins d'effets dans les balles. Donc ça permet de casser un petit peu le rythme et de faire plein de choses différentes. Et là, un petit peu de réussite pour Jeannan qui termine très bien le point avec une frappe coup droit. Ouais, service beaucoup moins haut. Ouais, service revers. Et là, ça bascule un petit peu, le match qui tourne. Voilà, ouais, parfait, bravo. Parfait. C'est Gif de Jeannan Yuan qui s'excuse, elle a dû toucher le filet. Ouais, elle a touché un petit point avant. Ouais, un petit peu effleuré le filet. Ouais. Oh. Beaucoup de réussite. Ah là, ça fait beaucoup. Ah oui, là, ça fait beaucoup. Là, même selon mes critères, ça fait beaucoup quand même. 3 points d'affilée avec le petit coup de pouce du destin. Oh oui, bravo, oh, la bravo. Remise explosive bravo. De Jeannan Yuan. Allez, Jeannan, deux bons services pour rester. Oh là. Oh là 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 là. Elle touche? Non, elle non. Touche. Ça fait 2-7-1 pour Xiaoxin Yang. C'est le destin français. Ouais, et temps mort tout de suite pour pas que ça empire. Elle a de moins en moins de solutions. Faut trouver les mots. Parce que là, elle est en train de lâcher dans la tête, Jeannan. Faut trouver les mots et faut trouver les solutions. On a l'impression que. Alors, elle a mené 1-0, elle était devant dans le deuxième set. Mais t'as un côté où tu te dis. Inéluctablement, là, on se dirige vers une défaite. T'es un petit peu et moins... c'est un peu une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire, si tu commences à y croire, tu vas perdre ce match. C'est ça. Il faut aller rallumer la flamme, là, Jeannan. Exactement, faut repartir. Tout le monde sait que c'est une pongiste brillantissime. Là, il faut aller chercher le supplément d'âme. Il faut aller chercher la flamme, Jeannan. Sinon, ce match, il est terminé. Ne rien lâcher, comme lui dit GG Ping. Allez! Une bonne remise après le temps mort.
voilà. Ouais, ah non, dommage. Ah, c'est fort en face, c'est dommage, fort en face, bien battu. Sûr. Alors Steph, le double mix sera demain à 17h45. Allez, voilà, beaucoup mieux, bien, Janan. Bien joué. Elle sert plus long encore. Pas hésiter à... La boîte de Pandore du chat avec le Kazakhstan. Là, on vérifie les gars, ouvrez un indico. Et le double mec, j'ai pas encore le programme, le Greg. Parfait, parfait. Shoshin qui se bat, mais ce bat était tout simplement trop dur. Parfait. Ouais. On prend. Elle revient bien. Ouais, Janan est encore notre numéro 1 française. Elle est 19e mondiale. Pritika est 26e. Voilà. Ah, bien joué, bien joué. Voilà, Janan. La révolte qu'on attendait. Il est pas fini ce match. Il est à portée de main. J'aime bien l'attitude de Janan là, dans ce set. Forcer un peu sa nature, mais il y a quelqu'un de très sérieux en face, de très solide, Xiao Xinyang. Ouais. Faut forcer. Elle fait un petit signe comme quoi elle aura peut-être dû aller en ligne sur celle-là. Bravo, bravo. Bravo. Deux, trois frappes de suite, ça c'est très très dur à faire. Ouais, bravo, bravo. Fantastique, elle sert encore long. Sert encore long, elle contre. Allez. Avec plaisir, Salami, merci à toi. Ouais, super. Ah, super. La gifle. Merci, Janan. Super, très c'est bien, ça qu'on veut voir. Emmène-nous dans un cinquième set. Allez, bras de fer, non. 9-8 pour Xiao Xinyang. Ouais, Xiao Xin qui contre très bien. Qui sait que la frappe elle va venir diagonale. Et ça fait deux balles de match. Deux balles de match sur le service de Xiao Xin. Deux balles de match sur son service. Oh, la défense quand même de Xiao Xinyang, c'est quelque chose. Deux balles de match sur le service de la Monégasque. Ouais, bravo. Et c'est fait. Janan Yuan est éliminé. On n'a plus de représentante française dans le tableau de simple féminin. Après les éliminations de Charlotte Lutz, Pritika Pavad, Janan Yuan. Janan Yuan qui avait remporté le premier set et qui a été battu. Ouais, c'est dur. C'est dur. Par Xiao Xinyang.